voilà la Mia Rox. C'est le concept car de Mia électrique. Vous savez, mon petit chouchou qui fait ses voitures électriques que je teste depuis plusieurs mois. Et à Genève, il dévoile cette version moderne, les temps modernes de la Méharis, je puis dire. Et qui a un look de voiture aventurière, j'adore. Avec les roues apparentes, les gros pare-chocs. Et l'idée forte de cette voiture, c'est sa capote en fait, que vous pouvez complètement customiser à votre choix. En fait, il y aura plein de capotes différentes. Là, ils l'ont monté avec un imprimé un peu vuittonesque, vous voyez, mais ça se clip, ça se zip. Voilà, et à l'intérieur, on a une ambiance très brute avec ses tissus alvéolés, ses cuirs. C'est un peu tuné, c'est vraiment Adventureland. Et alors, Murat, le papa de la Mia Rox, tu es le papa. Bonjour Murat. Bonjour Monsieur Robaudier, très enchanté. On se trouve de salon en salon. Tu veux me dire quelques mots? L'idée de faire un véhicule d'entrée dans notre gamme, mais en même temps faire un véhicule sur mesure. Chacun peut faire son véhicule très individuel avec la Mia Rox. Ce que tu veux dire, entrée de gamme, c'est que cette voiture-là qu'on voit, qui est encore un concept, sera moins chère que la Mia, entre guillemets, que la Mia normale. C'est ça l'idée. C'est possible, oui. C'est ça. D'accord. C'est un autre esprit de faire un véhicule pour entrer la gamme. Pas pour faire cheap, tu vois, mais... Non, parce qu'il a l'air beaucoup plus luxueux quand on le regarde, justement. Il y a un regard robuste, ouais. Très robuste, forte. Masculine un peu. Ça veut dire, moi ce que j'ai lu, c'est qu'on va pouvoir changer toutes les capotes, on peut les enlever et décider la couleur, la matière, là, c'est ça. Hein? Voilà, c'est les capotes un peu romantiques. Ouais, comme toi. Un peu romantique, oui, mais imagine cette véhicule tout en noir, avec une capot noir, ça change complètement la personnalité. Ça peut être une véhicule qui peut rouler sur le sable. Ouais. À côté de la plage, mais aussi dans le boulevard à Paris. Ça vraiment dépend de quel message le propriétaire voudrait donner avec ce véhicule. C'est un peu ça. Et par le choix des matériaux, le véhicule est très léger. Et donc il consomme moins d'énergie encore que ouais. Un peu plus puissant aussi. Et alors il y a un truc qui est vachement marrant, c'est que les portières là coulissent en fait dans le... Comme ça, elle coulisse vers le bas et les vitres remontent vers le haut, hein, c'est ça. Parce que normalement, tous les véhicules qui ont un cabotable au tissu, ouais. Vous pouvez conduire ou complètement fermé ou complètement ouverte. Il n'y a pas une chose au milieu. Avec ce concept, vous pouvez rouler avec les portes baissant comme ça. Complètement à l'air libre, quoi. Oui, comme un cabriolet. Ou si vous voulez vous fermer un peu plus, la porte arrête à mi-hauteur. Et ça, vous pensez la commercialiser? Ça va dépendre des réactions des gens à Genève. Ouais, ça va dépendre. Donc il faut pousser alors. Allez-y. Allez-y, Murat. Merci, Murat. Merci.